Alors, si vous travaillez sur Logic Pro et que vous avez une carte Universal Audio, parfois il peut arriver que vous n'ayez pas de son dans Logic. Hein. Vous pouvez lire des Apple Loops, vous pouvez lire votre projet Logic, vous pouvez rentrer du son avec votre instrument. Il n'y a pas de son qui sort. Dans ce cas-là, une des solutions qui est toute bête, c'est tout simplement de lancer la console UAD. Ça va tout simplement rétablir le lien entre l'ordinateur et la carte son. Et Logic va réinitialiser la carte et le lien va se refaire et vous allez retrouver du son. Donc je vois souvent des gens qui redémarrent le Mac, qui ferment Logic et relancent Logic alors qu'il suffit de lancer tout simplement l'application console de la carte UAD pour rétablir le son dans Logic. Ici j'ai du son qui module, je peux aller vérifier dans ma console et j'ai bien ici le niveau qui rentre. Donc le lien entre Logic et la console UAD est bien OK. Voilà, tout simplement, quand vous n'avez pas de son, une des premières choses à vérifier si vous travaillez avec une carte UAD, même avec d'autres cartes son, ça marche, hein, par exemple avec les cartes RME. Vous avez le logiciel Fireface qui va avec votre carte Babyface ou autre. Vous le lancez et parfois ça va aussi rétablir le lien entre Logic et la carte son. Donc pensez quoi qu'il arrive à lancer le logiciel qui va avec votre carte son pour vérifier que le problème ne vienne pas de là. Et c'est quand même très pratique de savoir cette astuce. Ça vous évitera de perdre du temps de redémarrer Logic ou tout simplement de redémarrer le Mac. Donc voilà, si vous avez une carte UAD, pensez bien à mettre dans le dock la console ici qui permet de paramétrer les entrées, les sorties, les départs auxiliaires, les effets en input, en insert, en send. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos d'ailleurs sur le sujet sur le blog. Mais également d'aller ici dans l'UAD Control Panel pour pouvoir configurer les réglages qui sont intéressants pour vous par rapport avec séquenceur. Pour pouvoir mettre à jour vos plugins, etc., etc., ou tout simplement mettre à jour le driver de la carte en cliquant ici. Voilà pour la petite astuce du jour sur les cartes UAD et Logic Pro. Merci de l'avoir suivi. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné au blog, vous pouvez cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.